Tu as 34 ans, 65 ans, tu es né le 3 juin, trente-trois ans. Beaucoup a été fait. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas le punch que tu aurais voulu avoir. Beaucoup de combats ont été menés et gagnés. Dans le spirituel. Les esprits ne donnent jamais un ticket. Ils ne donnent jamais une confirmation. Vous devez savoir certaines choses par la foi. La foi, c'est la ferme assurance. Tu sais que tu sais. Il y a quelqu'un ici, tu as besoin de repos. Ton âme était fatiguée. Ce tourment que tu as ressenti. Tu traversais un shift énergétique. Il y a des choses que tu n'étais pas censé faire. Mais le Seigneur t'a libéré. Et tu es progressivement en train de les accomplir. Parce qu'il y a des gens qui avaient parié sur ton échec. Il y a des gens qui tiraient un avantage. Mais ton esprit est très fort. You're very powerful. Tu n'arrives pas à abandonner. Ce que ces gens n'avaient jamais pensé que tu aurais pu faire, bientôt tu le feras sans effort. Very soon. Pour acheter la voiture de tes rêves sans effort. Quand tu vas acquérir cette voiture, tu te rendras compte qu'il ne s'agissait même pas de voiture en fait. Cette capacité à pouvoir faire ce que tu veux. Cette capacité à pouvoir faire ce qu'on t'a dit de faire. C'est une puissance. Ta foi est en train de grandir. They are coming to you. You're calling them. Appelez-les, appelez-les. Appelez-les.
Even though my faith is weak, you are moving. Je dois vous lire quelque chose. You are faithful, always faithful. Even when I cannot see, you are moving. Even when I cannot move, you are moving over me. You are faithful, always faithful. Dieu est fidèle. Il ne vous lâchera pas. Lève-toi. Lève-toi de tout trou dans lequel ils t'ont déposé, de toute situation désespérée dans laquelle ils t'ont laissé. Je t'arrache des ténèbres dans lesquelles tu étais. Je mets la lumière sur toi. La lumière est là. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité couvre les peuples. Mais sur toi. Sur qui? Sur toi. La situation des autres n'a pas besoin d'être ta situation. Je vois quelqu'un depuis le matin, tu avais des pensées très très basses. Après le lavage de déblocage de ma soeur que vous avez fait à distance, hier elle m'a annoncé qu'elle a reçu son permis de travail qu'elle attend depuis 4 mois. Et hier soir, j'étais tellement épuisée. Et au réveil à 1 heure par là, j'ai eu la visite de mes ancêtres dans mon rêve. Ça c'est super. Bénissons ton témoignage. La grande partie de votre combat se passe dans l'invisible. Ici. Quelqu'un se fait passer pour moi pour escroquer les gens. Oui, oui, oui. Et une reine Jocelyne comme ça, oui. Elle écrit aux gens. Vos combats sont vaincus. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Ils viennent vers toi. Tu tressailliras et tu te réjouiras. Parfois, au lieu de
voir tes échecs. Car c'est ce que l'ennemi va mettre devant ton visage. Cherche le peu de choses qui est bien. Peu importe la quantité. Tu es au bord du divorce. Il faut divorcer. Ce n'est pas toutes les relations qui sont censées être. Et tu travailles sur toi. Il y a des mariages qui sont aussi attaqués. Si tu ne travaillais pas sur toi ou sur ton mariage avant. Mais chérie, on va attaquer ton mariage. Tu dois chercher la plus petite chose autour de toi. Beaucoup de vos combats tu es censé avoir les jumeaux depuis même pour concevoir c'est dur après tu as des problèmes avec le père des futurs enfants vous séparez. Vous devez être conscient des combats dans lesquels vous êtes. Avant, tu abandonnais vite. Là, on est en train de te dire que tu as déjà pris de la route, de l'ampleur, pardon. Tu as pris de la puissance. Tu ne combats plus comme avant. Avant, tu pleurais, je l'ai fait comment? J'ai peur. Aujourd'hui, tu peux sentir les attaques venir et tu arrives à les contrecarrer. Ivana, bonjour. Tu es en train de prendre de la puissance. Le soleil finit toujours par briller. Ce n'est vraiment pas la place pour cette parole. Ah, la parole est faible. Dieu fera. Un jour, un jour. Dès que tu lis ça, ça faiblit ton esprit. Et oui, les batailles sont mentales. Que Dieu fera. Un jour, un jour. Tu as dit à 60 ans, 70 ans, 80. Tu meurs dans le cercueil, tu dis Dieu fera.
Christian dit que je l'ai sorti d'une embûche spirituelle. Il a un cadeau pour moi. Merci. Merci d'avoir pensé à me faire un cadeau. Tu arrives à voir ce qui va t'arriver. Que faire quand vous découvrez que votre femme allait voir son ex-copain? Non. J'allais dire que tu ne lui fais pas bien l'amour, mais bon. Récupère ta femme, monsieur. Commence par le kit fondation. Récupère ta femme. Parfois, vous êtes laxiste, vous êtes léger. Ça donne place à l'ennemi. Une femme ne va pas tromper son mari comme ça. C'est quelque chose qui s'est passé lentement. Il est assurément prévenu. Et tu n'as pas écouté. Donc, ce n'est pas l'acte d'être parti avec son ex-copain. Sauve ton mariage, monsieur. Sauve ton mariage. À un moment dans la vie, tu vas te dire, je ne vais pas abandonner tout le temps. Parfois, tu construis quelque chose, tu vois, c'est en train d'aller bien. Soudainement, bam, ça se détruit. Tu dis, mais non. L'ennemi gâte tes projets des gens. On me dit de vous dire que vous ne tomberez pas. Des activités tiendront. Et je vois quelqu'un, on me dit, on monte cela. Tu te retrouves un jour, toi, en train de s'écrouler. On me dit, que même si ça s'écroule, hein, couche-toi, tu dors. Achète le jus, tu bois. Parfois, quand tout est perdu, tu vois comme c'est tombé. Ne panique pas, parce que c'est ce que tu dis quand tu paniques qui gâte même encore. Ça confirme le gâtage. Tu as sûrement des attaques spirituelles dans ton foyer, mais tu ne t'en rends pas compte. Il y a des gens que certaines personnes ont juré que vous ne serez jamais heureux en couple. Tout va bien et soudainement, je dis, mais attends, tout allait bien. Quand ça s'écroule, est-ce que tu cours dans les rues? Oh, c'est fini, j'ai gâté, c'est fini, c'est gâté. Ou bien, est-ce que tu te tais? J'ai l'impression que tout est parti. Mais il y a quelque chose de bon qui va sortir de là. Développer votre sens de garder la tête sur les épaules quand tout est au pire. Malheureusement pour vous, quand vous dites que vous voulez être spirituel, être choisi, ça demande de la persévérance.
Tu fais les bains, tu brûles les encens, tu n'arrives pas à communiquer avec tes ancêtres. C'est tout ce qui t'inquiète là-bas. Tu ne veux pas être riche? Hmm? Il y a une chanson qui dit « Chacun a ses problèmes, chacun a ses soucis, chacun a ses problèmes, et Ali Maï, je suis triste. Tu me demandes. Et te bloque. Supposons que tu es là, tu es bien. Et ta mère meurt. Tu vas dire que dans la mort de ta mère, il n'y a rien de réjouissant. Ma mère est morte. Ma mère est morte. Tu dois pouvoir rester devant l'annonce de cette nouvelle et garder le sang-froid. Le sang-froid ne va pas ramener ta mère, ça c'est sûr. Mais s'il y a une chose qui est sûre, la mort de ta mère va être utilisée par l'énergie créatrice. T'amener quelque part. Pensez à la plus pire des choses, la mort. La mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin. Si la mort n'est pas la fin, pourquoi m'inquiéter? Il est temps que vous plongiez plus profond que ça. Tu veux réussir, ça c'est des petits problèmes, je te bloque. Je veux réussir, c'est des problèmes des enfants. Tu dois vaincre le combat de la peur. Tout ce que tu ressens en toi, j'ai peur, je ne peux pas, tout ça, c'est lié à la mort, c'est lié à la peur, c'est lié à l'échec. Tes frères et tes soeurs ne te comprennent pas tout le temps, se discutent. Tu fais quoi encore à la maison? Tu devrais être chez toi, dans un immeuble que tu as construit. Je te bloque. Vous êtes pauvres, vous venez adresser vos bêtises là ici. Mes frères ne me comprennent pas. Tu viens encore à la famille, à la maison familiale? Il y a des choses que j'aime pas tout le monde qui veut écouter. Il y a des gens que vous ne devez pas être en direct. Tu es perdu, je ne sais pas comment tu as fait pour atterrir ici. Parce qu'on n'est pas prêt pour les choses profondes. J'arrive pas à payer mon loyer. L'argent, c'est la base. Imaginez quelqu'un de spirituel et de pauvre. On n'a pas de respect pour lui. Toute la puissance que tu as là, tu es en train de supplier les gens. Vous nous faites honte. Ouais, fais-moi le transfert de 20 000. Ouais, s'il te plaît. Même ouais, ne doit plus sortir ta bouche. Tu supplies quoi?
tout autour de vous a été designé pour vous affaiblir. Tout. Et vous succombez parce que vous n'êtes pas intègre. Votre esprit est tordu. Vous mentez à gauche. Vous trompez à droite. Vous volez par ici. Tu fais quoi encore chez ta mère jusqu'à dire que oh, ma mère me dérange, ma mère ne m'aime pas. Combattez le premier combat que tu dois vaincre. Problème financier. Exige à ton esprit que je ne manquerai plus. La prochaine fois qu'un problème vient, ce n'est pas un problème, c'est une situation qui est là pour t'élever. Si je suis une reine, si je suis un roi, comment anticiper ceci? Peut-être pour ne plus être à court dans mon loyer, je dois payer le loyer 2 mois en avance. 3 mois. Ça fait 1 mois que tu devais payer le loyer. On est derrière toi, on toque chaque jour. Tu fuis, tu rentres tard à la maison parce que tu veux arriver quand le bailleur dort déjà. C'est parce que votre esprit n'est pas radical. C'est la fierté qu'il y a quand vous payez tout ce que vous devez aux gens. Quand vous faites ce que vous devez faire. Quand vous avez plus que vous n'avez besoin. Ça élève votre esprit. Tout vous a habitué à supplier aujourd'hui. Abonnez-vous. Ouais, donnez-moi le cadeau, donnez-moi le cadeau, donnez-moi le cadeau. Tout dans la société est designé pour vous mettre dans un état de mendicité. Donnez-moi le cadeau, donnez-moi le cadeau, donnez-moi le cadeau, donnez-moi le cadeau. Abonnez-vous s'il vous plaît. Ne t'abonne pas. T'as compris les abonnements? Connaître qui tu es te donne de la vitesse. Vous aimez seulement vous asseoir dans les groupes ici là pour parler. Nous sommes les rois. Nous sommes les rois. Un roi qui n'avait pas payé son loyer. Un roi qui n'avait pas payé son loyer. Il y a les choses de base que vous devez mettre dans vos vies. La base. Oh la main, ok, c'est bon, la main, c'est bon, pardon, c'est bon. Voilà quelqu'un qui a demandé qu'il appelle pour qu'il s'assure que ce n'est pas des arnaqueurs. Oui, Seigneur. Les arnaqueurs. Tu es dans un groupe plein d'arnaqueurs. Je vous ai dit que... si votre esprit est vrai, vous connaîtrez la vérité. Ceux qui se font arnaquer là, vous-même vous connaissez.
J'ai des gens qui sont souvent tombés sur ma page. Ils causent avec mes gens. Après, ils disent que c'est cher. Ils partent voir l'arnaqueur qui a mon image sur sa, sur son, son truc. Ils parlent avec la personne les arnaque. Ton esprit était tordu. Your spirit was crooked. Je ne dis pas avec les gens qui ont l'esprit tordu. Lily, tu n'as pas commandé ton bracelet. Tu me dis pourquoi il fasse comment. Ne commande pas, tu as compris. Ne commande pas. Hein? Tu n'arrives pas à commander un bracelet. Est-ce que vous connaissez même ce que vous êtes appelé à faire? Ceux qui ont fait l'armée connaissent de quoi je parle. Il y a l'armée physique d'un pays, il y a l'armée spirituelle. Ma mère ne m'aime pas. Regardez ce que mon frère m'a dit dans le groupe familial. Voilà, voilà ce qui te préoccupe. Pendant que les gens sont en train de... Il y a un peuple que tu vas aller libérer dans la nuit, dans le rêve. On n'a pas pu te trouver parce que tu es en train de pleurer au goumen. Quand tu leur as demandé pourquoi ils n'envoient pas de direct de la page, ils ont su... Ces gens-là vont se faire arnaquer jusqu'à ce qu'ils désirent la vérité. Quand ils vont se fatiguer de ça, ils viendront dans mon groupe. On façonne des vies, des pays. Parfois dans le rêve, tu peux délivrer une ville. Dans le rêve, tu peux aider les gens quelque part. Quand vous rêvez souvent que j'ai rêvé que tu m'as fait ceci, vous rêvez que je sais, c'était comment qu'elle fait ça. Tu n'as pas le WhatsApp qu'il faut. Hein, Lily? Ne commande pas, tu as compris. Si ton bracelet là, ça va m'aider. Ne commande pas. Oh, non. Tu tombes sur ma page, tu me cherches, tu vas me trouver. Prenez le numéro pour entrer dans le groupe. Prenez de quoi noter. Plus 237. 693 50 22 66. On a beaucoup à faire et on ne peut pas se permettre que tu sois derrière. Reste, tu attends qu'on soit derrière toi. Achète, fais le ceci. Ne fais pas. Tu as compris? Ne fais pas. Tu vois, quand tu meurs, les ancêtres vont faire comment? Ils vont trouver une autre personne. Tente de mourir, tu vois. Meurs un peu, tu vois. Meurs un peu. Bonjour Mariama, j'ai pas vu ton truc. Meurs. Meurs, tu vois.
Un soldat doit être conscient. Du prix qu'on a dû payer pour l'envoyer. Il doit être conscient de qui l'envoie, de ce qu'on l'envoie faire. De qui attend ce qu'il va faire. Les enjeux sont importants. Tu te réveilles, ce qui est dans ta tête. Je vais manger quoi? Mon ventre. Il faut que j'achète le sac si. Voilà tout ce qui te préoccupe. Tu n'as même pas honte. Je parle aux appelés. Les appeler. Lily, je vais te bloquer. Tu as compris? Si tu ne connais pas qui t'a appelé, ce n'est pas moi qui vais te dire. C'est encore dans les petites choses. Ça veut dire quoi? Un élu, quand il se réveille de son rêve, il a une idée de ce qu'on lui a dit. Arrêtez de courir dans tous les sens pour raconter vos rêves aux gens. Vous êtes des dépendants spirituels. Lily, la tête te bloque. Ne me suis plus, ne prête pas notre compte pour me suivre. C'est moi qui l'ai dit si tu as appelé là. Il faut laisser. Paru divine, c'est toi qui t'appelais bijou avant. Monsieur Franchin, bonjour. Très peu de personnes aujourd'hui ont le sens de responsabilité. Tu rêves des œufs cassés, je te bloque. Passe le temps à manger devant la télé. Tu regardes les films, tu regardes les films. Tu vas te coucher, tu fais des rêves farfelus, tu viens me raconter des rêves. Je n'ai rien à foutre de tes rêves. Quand on est appelé, on le sait. Quand est-ce qu'ils comprendront? Peut-être c'est là 6 ans. J'ai pris sur moi. J'ai osé croire que je suis appelée. J'ai osé croire que je suis appelée à aider des gens. J'ai osé croire à un message que j'ai reçu. On n'a pas prophétisé sur moi. J'ai reçu. J'ai reçu de Gift Digger Academy. Un endroit où on incube les dons des gens. Une incubation de potentiel, de talent. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Ce n'est pas encore fini, ça n'a pas encore pris vraiment forme. Vous n'êtes pas appelé pour vous-même. C'est pour ça que vous devez détacher vos chaînes et aller détacher pour les autres.
Vous encore dans les petits problèmes. Est-ce qu'il m'aime? Il m'a trompé. Il m'a trompé. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'a refusé? J'arrive pas à avoir le temps du gourmand. J'arrive pas. Quand tu viens, tu commences à faire ici. Donc tu es étonné que la fille n'a pas gourmand. Pour avoir gourmand, il faut rester et penser. Je n'ai pas le temps de penser. Même mes enfants connaissent. Je suis comme la reine Elisabeth avec ses enfants. On se parle une fois par semaine. Vous êtes dans vos quartiers, je suis dans mes quartiers. Le cœur, c'est un organe qui pompe le sang. Allez sur Google, vous tapez cœur. Où est la définition et le rôle? Ça, les valves, ça fait boubou, boubou, boubou. C'est ça le cœur. C'est un organe. Ce n'est pas parce qu'on est dans le monde qu'on doit être comme le monde. Je peux vivre dans une ville, je peux être à Abidjan, je suis à Abidjan actuellement. Je peux être à Abidjan, je ne fais pas comme les gens d'Abidjan. Je peux être à Abidjan, mais mon argent ne vient pas de comment les gens se font l'argent à Abidjan. Comprenez qu'il s'agit de fréquence. Fréquence vibratoire. Tapotez, likez ma vidéo, ne likez pas. Tout ce qui me fait soupirer les gens, je n'aime pas. I don't like. Pourquoi je le ferais? Why would I? Observez que la société vous a façonné pour être des mendiants. Mon contenu est guidé. Je ne peux pas poster n'importe quoi sur ma page. Non, fais ceci, ça donne les abonnés. Je ne peux pas. Ça là donne les abonnés. Je ne peux pas. Même pour essayer de vibrer, oh, je ne vibre pas. Je n'essaye pas de vibrer, chérie. Je n'essaye pas de vibrer. La société t'a attachés avec leur façon. Quand tu deviens toi, tu coupes le caillou qui avait sur ton pied et tu commences à flotter. Donc on n'essaye pas. Tu dois te libérer des fardeaux que tu as. C'est de ça qu'il s'agit. Je tolère très peu. J'ai des périodes où j'arrive pas à tolérer. Tu es à côté de moi. Tu commences un peu à faire ni ni ni, je te bloque. Tu es mon enfant. Je coupe ton argent. Je dis, je te donne la liberté, ma fille. Tu es ma fille. Ah, tu vas explorer ça. Vas-y. Mais c'est pas à mes frères. Va. Bonne vie. Ma mission, c'était de t'accoucher. Je t'ai accouché. L'autre là, je te devais la vie. Tu es sorti, non? Si tu veux bousiller ta vie, vas-y. Ça me dérange pas. Pourquoi est-ce que je dois venir? Hey, mon...
Ah, je ne suis pas une bonne mère. Ah, c'est avec plaisir. Oh Seigneur. Je crois que tu essaies de dire ça pour me fâcher. Tu m'as fait rire. Ça faisait depuis le matin que je n'avais pas souri. Merci. 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 Oh. Quand plein de personnes apprécient ce que je fais, je sais que je suis sur le mauvais chemin. J'ai toujours fait l'effort d'aller à contresens. Oh, t'es une bonne mère. Regarde comme tu t'occupes de tes enfants. Pour moi, ça, c'est un red flag. Like, that's just how I am. Ah, ça me plaît quand tu as dit ça. Oh, que je suis pas une bonne mère. Oh, t'as fait ma journée. Oh, t'es pas une bonne mère, t'es pas une bonne femme. Ça, c'est des trucs que j'aime beaucoup entendre. J'aime beaucoup ça. Nul ne peut porter la croix de l'autre. Ah ouais. Même les enfants ont leur semence en eux. Ah, ça m'a rendu heureuse. I'm so happy. Arrêtez de vouloir contrôler tout. Revoyons le cas du mariage. Vous savez combien de fois vous vous êtes senti mal parce que vous étiez en train d'échouer en tant que mari ou en tant que femme. Un mari est censé faire ça. Tu essayes. Ton esprit te dit plutôt va comme ça. Être conduit par l'esprit de Dieu, c'est pas évident. Hein. Parce que rarement tu vas plaire aux hommes. Rarement. Et croyez-moi, vos enfants savent ce qu'ils veulent. Le lavage à distance t'a apaisé. Tu te retrouves. Oh. Il faut acheter les kits. Ça va aider. Hier, je crois que tu as payé le rituel du 8-8. J'ai vu ton nom dans le groupe. Ouais. Vous ne devez rien à personne. Il y a les gens qui tirent un avantage de votre culpabilité. Tu es avec ta femme, tu es le mari, hein? Tu fais de ton mieux, mais tu ne fais pas ce que ta femme veut. Tu te sens mal. Chaque jour, je viens de le rappeler. Hein? Les autres hommes font comme ça. Les autres font comme ça. Hein? Elle, en tant que femme, quand tu veux te plaindre, elle se met avec une phrase. Crois-moi, elle dort bien la nuit. Elle ne culpabilise pas parce qu'elle ne te... J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Vous essayez trop de faire plaisir aux gens. I'ma do what I gotta do. I'ma do what I gotta do. Je fais ce que j'ai à faire. Car même si je porte toute ma vie, je viens, je me sacrifie. Je dis, prends ma vie. Ah. Mais pourquoi tu n'étais pas pendu?
Il ne fallait pas te fendre la gorge là. Non, il fallait te pendre. Tu sais, j'adore ça. Tu ne l'aimes pas. Les gens pour lesquels tu te casses, tu ne dors pas parce que je veux faire plaisir à tel. Ces gens dorment avec leurs deux yeux. Mon numéro WhatsApp, Emmanuel, 237 6 93 50 22 66. Joël est sommé. Les gens me payent pour que je les voie ou je les lise. Ne faut pas venir à mon direct pour dire que tu essaies de faire que ça, c'est... Ne suppliez pas les gens. Le jour où tu as l'argent, tu viens, tu payes, je te lis. Tu as compris? Le téléphone de cette dame, madame, vous avez votre téléphone et vous êtes dans le groupe avec votre téléphone personnel. Oui. Commencez à rédiger. Tout ce que vous donnez là, c'est des excuses. Même votre téléphone pour écrire. Donc, le téléphone ne peut pas écrire. Tu tapes avec les doigts, ça n'écrit pas.
Ça n'écrit pas. Tu as acheté ton téléphone là récemment. Ça fait 2 mois ou 3 mois, non? Ok, ça va. Non, je n'ai pas les excuses. Vous-même, vous savez, non, madame Zani. Je n'aime pas les excuses. Monsieur Selouk, s'il vous plaît. Elle va faire 2 jours à la maison qui seront payés. Voilà. Aujourd'hui et demain, elle ne vient pas. Elle peut faire ses affaires pas. Parce que moi, les excuses, là, ça me fatigue l'esprit. Rentrez pour vous reposer. Elle a ce téléphone. Elle vous montre ce qu'elle a montré ici. Voilà. J'aime pas les excuses. Je vais revoir encore bien son cas. On se revoit lundi. Vous informez juste les gens du Cameroun. Ok. Je n'aime pas les excuses. Je devais lire des gens, je crois bien. Avec tous ces 22 000. J'ai beaucoup de lectures en attente. Yeah. Maintenant, regarde la liste. Je vais lire quelques personnes. Hugo, je n'aime pas les excuses. Je n'aime pas les excuses. Pour moi, un membre de mon équipe qui donne l'excuse, ça va affecter les autres. Oui. Je vous donne l'adresse email. Allons-y avec l'adresse email pour PayPal. Aurélie, A-U-R-E-L-I-E. Donc, Aurélie. Michel, M-I-C-H-E-L-L-E. Vous ajoutez 2017 dessus. @gmail.com. Salut ma chérie, je suis en train de faire ta lecture. On me montre que tu dois arrêter de stresser. Tu stresses énormément. Et tu dois arrêter. Tu dois aussi acheter des cartes. Donc souvent, pour sortir de tes moments de dépression ou de faiblesse mentale, tu dois tu prends des cartes et tu les tires. Ce sera comme un moyen pour communiquer. Tes ancêtres vont passer par cela pour te communiquer. Pour parler avec toi. Je vois aussi beaucoup de malédictions. On a beaucoup joué sur toi. Il y a des malédictions, on va dire des sorts qui t'ont été jetés. Il va falloir que on travaille dessus. À la base, tu as des dons de guérison. Mais tu es quelqu'un que tu aimes beaucoup sauver, tu aimes beaucoup aider. Malgré le fait que ça te coûte. Et les gens que tu aides te trahissent énormément. Je vois aussi un blocage sur ta gorge. Tu as beaucoup bloqué la gorge, t'empêcher de parler. Il y a des personnes qui tirent profit du fait que tu sois sur le mauvais chemin. Tu es très spirituel, mais très attaqué. Enfin, moi, Dieu te dit que c'est naturel, c'est normal que tu sois spirituel et attaqué. Mais non. Quand tu es spirituel, tu es attaqué parce que on veut que tu découvres qui tu es, ce que tu portes. Voilà. Toi seul peux restaurer ta vie en fait. Ne crois pas que tu es impuissante. Je vois un peu comme si tu es découragée. Tu crois que ça, tes choses ne vont pas marcher. Ton pouvoir, tu peux le donner aux gens ou pas. Donc tu peux le reprendre. Ce que je vois que je dois faire, parce que je crois que je suis censée te faire un sacrifice de bourse, moi. Oui, il y a des mauvais sorts qu'on doit adresser. Tu prendras le kit célébrité après. Oui.
mets des bracelets et des tigres sur toi. Tu n'as jamais de chance en relation, tu en souffres. Chérie, si tu as l'argent, ça va, non. L'argent ne t'intéresse pas. Demandez d'abord l'argent, non. Pardon, c'est Miss Stacy. Ça entre dans le téléphone. Non, he's supposed to go and remove this money. It doesn't come in the phone. Oui, paye ta lecture de carte. Je vais te la faire en avance. Tu es un ange terrestre. Et tu es censé aider aussi dans le caritatif. Un de tes pouvoirs, c'est que tu absorbes les douleurs des gens. Oui. Tu dois aussi beaucoup travailler sur toi. Tu es une guérisseuse. Tu peux le faire avec les mains. Tu es censé... Quand tu voyages, tu accumules des bénédictions, des grâces. Tu es censé créer aussi peut-être un orphelinat, une entreprise. Et il y a des personnes que tu es censé diriger. On va beaucoup te parler dans les rêves aussi ces derniers temps. Tu es une femme de l'eau. Je crois qu'il y a l'offrande à l'eau que tu hésitais de faire ou pas. Oui, il y a des procédures, peut-être c'est ton mariage qui arrive là, peut-être c'est ça. Mais il y a des procédures, des paperasses, des papiers que tu es en train de faire, on me dit que ça va marcher. Oui, donc ça va se concrétiser. Fais une libation avec du Fanta aussi, ça va aider. Donc, fais le paiement tout à l'heure. Tu veux faire une consultation? Les cartes, c'est 22 000. Salut ma chérie, tu as payé une lecture. T'as beaucoup d'ennemis. Maman, t'as une grande mission. Je crois que tu dois être la première de ta famille peut-être à immigrer ou à avoir les papiers, la nationalité. Oui, tu as une grande mission sur la terre, mais aussi tu as beaucoup d'ennemis. Tes ennemis commencent dans ta famille, beaucoup d'hypocrites, bon, comme toutes les familles, mais bon. T'as pas là, c'est un autre degré. Ils sont activement impliqués dans ton blocage. Tu dois faire le commerce. Il y a beaucoup de choses que tu dois vendre. Ça va ouvrir ton argent. Tu as des dons. Tu peux sentir quel business va donner. Et c'est peut-être la raison pour laquelle... Ok, les deux options que j'ai, c'est la suivante. Tu es censé créer des activités, des business. Peut-être tu as commencé, on a attaqué, tu as laissé. Tu as dit, ah, mais tu es censé faire le business. Peut-être tu es tellement allé à l'école que tu t'es dit, ah, le business peut-être c'est pas pour moi, mais tu dois faire le business. Soit tu dois te relancer, soit tu dois commencer. Voilà. Et ne t'inquiète pas, tu es un peu cartésienne, tu planifies trop les choses, ce qui fait que parfois tu as peur. N'aie pas peur, c'est la peur qui peut te ralentir. Et dans tes anciennes vies, tu étais aussi très riche. Donc ça va revenir dans cette réincarnation. Une grande mission sur la terre, n'oublie pas. Demande un kit de fondation, un rituel de détachement. Après, tu prends le kit des envoûtements et tu demandes l'offrande à l'eau. Tu as beaucoup de faveurs, ton énergie aussi. Tu as une énergie qui fait comme le yo-yo. Et là, on est en train de mettre le jugement sur tes ennemis. Ok. Oh, tu veux faire une consultation, mais tu hésites. Ne paye pas. Ne fais pas.
Donc, ton énergie, tu as une énergie de déesse en fait. Tu es une prêtresse. C'est pour ça que tu aimes trop couvrir ta tête. Mais tu as beaucoup d'hésitation. Tu hésites. Oui. Et tu as beaucoup de secrets que tu vas découvrir sur ton identité, qui tu es, ce que tu es censé faire sur la terre. On va te les révéler par vision. Tu es censé être très riche. Ouais. Ha. Ton énergie est prête. Je ne sais pas pourquoi, mais tu as des opportunités qui vont arriver dans les jours qui arrivent là. Et on va beaucoup te parler dans les rêves. Il faut noter. Parce qu'il y a des portails spirituels qui s'ouvrent. Et quand ça s'ouvre, tu dois noter. Tu dois noter. Parce que tu es en train de noter, ça veut dire tu cimentes ce qui se passe. Ce qu'on est en train de faire dans le spirituel. Et ta protection aussi. Demande un rituel de protection. Voilà. Et il y a une prison que tu avais. Demande un rituel de détachement. Oui. Et ta créativité. Tu es quelqu'un que tu vas créer beaucoup de choses. Des modèles de vêtements. Voiture, je te vois un peu comme Tesla. Voilà, Tesla. Dans l'ingénierie que tu es en train de faire, il faut pousser encore plus loin. Ça va t'aider à créer plus tard. Bonjour, bienvenue à vous. Ok, j'arrête de lire les gens, selon ce qu'on me permet de faire. Le numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Comment dire qu'on hésite à faire une consultation? Moi, j'attends seulement un paiement pour le faire. Tu as 22 000 prêts. Tu attends qu'on te paye quelque chose pour payer 22 000. Tu ne dois pas me suivre. Yek, pom. Si depuis que tu te laves avec le sel, 22 000 n'est pas entré là. You want Bamba? You want to play with the big boys? Shout out to my followers. Mes followers, la voix de Belle. Kai. Mamma mia. Chai. Comment me je vous regarde souvent comme ça là? On lit une autre personne ici là. Salut ma chérie. Tu es très belle, tu es radieuse. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pour toi? Tes rêves vont devenir de plus en plus clairs. Tu dois être sur les réseaux sociaux, tu dois faire des vidéos. Ouh, l'argent. Je ne vois pas l'argent, je vois le succès. Tu as beaucoup d'argent, tu as des rentrées financières énormes qui vont venir. Et ils me disent que si tu te sens épuisé, c'est parce que tu ne les écoutes pas. Si tu as 100 000 dollars ou on te demande de dépenser 99 000 dollars, dépense-les. Pour faire ce qu'ils te montrent. Oui. Tu dois être à ton compte. Ton argent se trouve sur les réseaux sociaux. Tu es un leader dans ton corps, dans ton âme. Oui. Tu dois faire des formations. Et tu dois former aussi d'autres personnes. Tu as le don de guérison. Tu dois changer de voix. Bonjour Dorcas. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Vous pratiquez la sorcellerie. Hein? Quand vous aimez les choses comme ça. Jackie, bonjour.
Tu as demandé une lecture en début de mois. Tu es dans la file d'attente sûrement. Bonsoir Polynésie. Naomi, bonjour. Il y a des jours où j'aimerais pas avoir mon don, mais parce que tellement de personnes demandent. Et souvent, ils veulent aussi être normal comme tout le monde. Parce qu'il ne s'agit même pas de l'argent comme ce soir. C'est beaucoup plus une c'est beaucoup plus une mission, c'est beaucoup plus un devoir. Ok. Jacqueline, vous faites toujours les bains de soleil, c'est super. Peut-être que vous allez la rembourser. Je ne lis pas tout le monde, moi. Quand je ne lis pas quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, là. Voilà. Ah. C'est pas tout le monde comment il lit.